La série noire continue en Roumanie avec tous les jours de nouvelles victimes de l'incendie de la discothèque de Bucarest. Le bilan est passé à 45 morts ce dimanche. 95 personnes sont toujours à l'hôpital, la plupart traitées pour des brûlures graves et 36 sont dans un état critique. 21 patients ont été transférés dans d'autres pays pour y recevoir des traitements plus poussés et d'autres blessés devraient suivre. Raed Arafat est le secrétaire d'État roumain à la santé. La situation est très critique parce que l'état de certains patients est instable. Certains sont devenus très instables de façon soudaine et rapide, y compris durant leur transport. Donc nous travaillons sur deux choses. D'abord, décongestionner nos hôpitaux, parce que le nombre de patients est toujours trop important pour les médecins et les infirmières. Il faut que nous ayons moins de patients. Et deuxièmement, nous devons choisir correctement quels patients peuvent rejoindre d'autres pays. La 45e victime décédée ce dimanche est Bogdan Enash, le batteur du groupe Goodbye to Gravity, que l'on voit ici jouer juste avant l'incendie dans la discothèque. Il est mort dans l'avion qui le transportait pour être hospitalisé en Suisse.